Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue encore à l'émission Les Congo. Je vous remercie déjà pour partager cette émission, surtout pour s'abonner à la chaîne de l'Union. Vous pouvez s'abonner aussi pour la recevoir d'informations, actualités et un mot canal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a salué en la diaspora. La diaspora va y envier avec Bonheur et Bélé, mais toujours dans la diaspora, dans la France, Zahiro va botami au Baboui, Baboui, président Félix, parce qu'il va accuser la Bakoum Union. Et aussi, monsieur le député Denis Essanga Oboebi, c'est l'un des députés congolais qui est beaucoup considéré parmi les gens qui réfléchissent bien pour cette nation. Il a dit une chose qui est vraiment exacte, tension à la Congolais, en disant qu'il faut revoir la constitution en Burkina Faso. Pourquoi il faut revoir la constitution en Burkina Faso? Parce que nous allons aborder tout sur l'ango na M. Chokilundo Azali, cadre et à parti naïe en vol, pour comprendre pourquoi à l'obi et l'okwana, et aussi donc pourquoi en profondeur tout est bas, qui est bien candidat député national dans Tchango. Pourquoi gagner à quitter? Vous savez ce qui s'est passé. Touyamba, invité à l'Abso, mais c'est Lundu qui bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue à l'émission Abso. Vraiment, tu Yambio pour te comprendre certaines choses, parce que tant qu'homme politique à Congo, alors votre président, monsieur Denis Essanga, qui dit clairement qu'il faut revoir la constitution. Alors pourquoi revoir la constitution? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette constitution? D'abord, on a pour remercier yo na opportunité au PCBISO, au PCINGA plutôt, donc na Koya na plateau et à Congo All News. Et Nzamba Pambolayo, par rapport à cette invitation. Et vous savez que Mbo Kanabiso, Banda to koti na katia politiko, Banda to bandi komba. Yo yebi osali moko ya bato yo, to bandai koya. Des fois, qu'on s'en a interview, qu'on questionne Bissot sur des problématiques, Tambo les longo na bandeko na tina ya koluka alternance et ya na mboka na biso et na tina aussi ya koloba que onyonso bazala ki bato yo ba bimaki na mboka oyo kabila lingaki te bazonga na kotanga bakaya ba Moïse Katumbi ya bato ebele oyo ba bimaki ou même ba prisonniers politiques oyo ezalaki que kabila kangaki bango parce que nous étions sous un régime dictatorial oyo ezalaki na mboka mais lelo oyo na ma proposition au biso tozengango na vol na cadre de la révision constitutionnelle et oui que constitution ça dit moko motuya autre qu'on négligeait à moté mais nous avions constaté que même avant Kabila soka modifia qui constitution na baye o yaye pour ba luka bazong sa belex ba long la belexion les qui na deux tours et comme on a tour moko et ça qui pour le même terrain à l'époque Tikala a demeuré dans le pouvoir. D'où c'était nécessaire, Nabusson en vol, comme Oyebi en vol, les machines, Moko, Oye, travaille à Kamakasi, Natina, y a Mokawana, en 2015, tant on proposa qui, loi électorale, Moshab a modifié qui, tant on bénit Babi Manali Banda, en 2015, et ça là qui, pour Nabusson en vol, par délit, c'est ça là. Ou à Zali moteur, la carte assemblée, ou à la carte, la carte à proposer, la loi, il y a un an, et c'est là que Bango Balinga quitté, c'est là qu'il va modifier, et c'est là que Bissoto Bim, ça ne peut pas modifier, là on a Bissoté. Tout ça toujours pour militer pour l'intérêt en Boka. Le jeu constitutionnel, c'est le mot important, tout ça, la belle élection à deux tours, et aussi, même la population, c'est ça qu'on y maïma. Et puis, la population, c'est qu'on y maïma, c'est qu'on a Kabila, c'est qu'on a Bima. Kabila Azobima, Azoloba, Azo Salva, Azo Kaisa, Kabila Ozonga. Kabila Ozonga sous soutien. Kabila Ozonga sous la pouvoir. Pour constituer l'lobby. Oui, constitution dit quoi pour Ozonga? Constituer l'lobby en article 220. Et l'lobby bien, article 220 déjà coûte l'lobby et c'est le mot clé. Au bas, il faut toucher à côté. Donc, il est formellement interdit. Toute révision constitutionnelle. Ozali na tina. Il y a Koluka pour réduire ma droit et liberté à ma Congolais. Au moins, l'article 220 à la Constitution, ils ont lié à l'article 70. Où on voit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un seul, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Kabila a déjà fait un mandat, à Salaki, deuxième mandat,
c'est fini. Il peut revenir encore. À quoi il consomme sous terre. Mais pourquoi? Parce que... parce que c'est renouvelable avec une seule fois. Il a fait son premier mandat. Mais en 2006, oui. Il y a eu des élections. Oui. Kabila a gagné l'élection. Il est devenu président. On peut le dire ainsi. Et après l'élection de 2011, Kabila Asalaini Azalaki aussi Tokolo m'a réuni parce qu'il était aussi le président de la République. Mais ça l'est deux fois. Lorsque bien vous renouveler, vous modifiez la constitution, parce que quand on modifie la constitution, parce qu'il y a deux choses, vous voulez changer ou bien modifier. Parce que si vous modifiez la constitution, faites attention, ça peut aussi revenir pour l'avantage de Joseph Kabila qui est beau toucher l'article 220. Non, et quoi qu'on revienne, l'avantage n'a été parce que l'article 220 va retoucher à voter. Article 220, ce qui n'a qu'au temps de l'obinine. La forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Maintenant, lorsque vous revoyez la constitution, on a comment, parce que Joseph Kabila aujourd'hui est majoritaire aussi au Parlement. Il y a des articles. Nous sommes dans un processus, Yako, ça la pétition, proposons à la population congolaise, tout ça déjà, quoi qu'il y ait, signature de Bénin, tout le monde qui s'en par l'honorable. Et notre député national, Oazana Kisangani, qui est maintenant notre secrétaire général, il y a parti, Mambidi, donc, il y a qui n'a Kisangani, déjà, pour la renforcer aussi population et aussi sensibiliser cette population à Kisangani. Natina, il y a qu'on signe, qu'on a Kisabango, qu'on éclaire Bango. Tinani Nibiso en vol, tu crois ici ma chinoise parce que tu m'as que mon cannabis, modèle, ils allaient qui mener avant, ils allaient toujours au Kendelolengiwana. D'où l'intérêt d'aller toucher quelques points. Oyo, Banguna, Oyo, Tokoi, Kolobaboué, pour Bazala qui Banguna, Tambaye qui travaille pour l'intérêt là-bas, mais pas pour l'intérêt à peuple congolais, Bakenda qui modifie l'article Moko de la Constitution pour Bango Bazonga. Mais Biso, tu es Kolobayango clair. Tant tu es Kolobayango, tout ce qu'on martelait en haut, tout ce qu'on l'inga, mais l'élection, et Zonga, nous avons à deux tours. Pourquoi deux tours? Deux tours, c'est la compétition. Nous sommes tous les sportifs. Et alors, tant que nous championnat, ou besoin avons la compétition, et comment on a la finale? Finale à la Ramini, et ma petite demi-finale, nous avons deux meilleurs, nous avons eu Longa, nous avons eu la finale. Pour tout le monde, nous avons eu un champion, nous avons eu un raté. Kabila, à Bassel avec Mérini. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je rappelle que ce soir, on a recevoir M. Maïndo Chouki, où il y a un cadre en vol, il y a M. Sisanga, Denis. Alors, M. Monsieur Chouki, alors, je comprends très bien sur cette histoire, sur Idem Abino, il y a modifié la constitution. Alors, lorsque vous faites ces pétitions, Abino, peuple, pourquoi pas penser peut-être à dissoudre les parlements? Ça pourrait peut-être causer la mieux que, parce que ceux qui ont fait ces pétitions, il fallait modifier la constitution. La Kabylie, les kabylistes, voilà, toujours majoritaires dans le Parlement, et ça risque de coincer. Et encore aujourd'hui, vous avez accepté Félix, un partenaire a accepté Félix comme président aujourd'hui, mais alors que aujourd'hui, Félix, tu sais, dit, a sa fusion, a sa collaboration dans le FCC. Donc ça risque de coincer aussi vos idées, à condition que tu aies un FCC, tu as des mèches avec vous. Mais au moins, Ndeko Andreas, ils ont le lourd mot où il faut toyer Baka. Soutenir un candidat ou être derrière une personne, cela ne veut pas absolument dire que non mutuana bozane na famille moko. Non. Au gros, on a validé nos malades. Nan est na provant. On a dit que oui. Bah, Ndeko Andreas, c'est ça bien. D'où je suis d'accord avec vous sur un certain point. Ils ont droit. Yamout. Et on a le choix ou y'a roloba. Mais le problème, tout ça, dans ma révision constitutionnelle, les a d'abord en ligne. Au moment dit tant d'élections, on a un tour. Dans ce sens, la place est un président important. Tant d'élections, on a un tour, et ça que Yoko Bimano présente la République à 25%. Nous avons la légitimité à peuple l'Union sur terre. Parce que ma voix n'a bino, et ça éparpillé. Comme ils éparpillés, tout le milieu batté, réellement, peuple a poni nan.
Mais ceux qui, bah, ils, bah, les deux meilleurs, bah, qui ont un débat contradictoire, total, peuple à tali, à l'obino, vraiment, véritable choix, tout ça là, ils ont un tel, ils ont un tel. À partir à Wana, aux hommes là, ils sont obligés de présenter la République avec au-delà de 55 ou 60%. Ça quand même la légitimité et aussi de se dire que voilà, je suis le président de tous les Congolais, je suis le président de la République parce que j'ai été élu na nombre important à un taux important, un pourcentage. Vous que les Congolais ont une question à vous se poser, comment Bobosa là pour avoir changé la constitution, modifier la constitution? Non, mais ça, tout est en place, tout est dans le processus, il y a ma signature, tout ça d'abord gagner confiance à peuple congolais. Et après Bobosa là, comment ça gagner? Après te représenter dans l'assemblée. Et Kabilis sont majoritaire. Même s'ils sont majoritaires, à partir du moment où toute légitimité revient au peuple, c'est le peuple qui est souverain. Est-ce que vous pensez que ces députés-là représentent réellement le peuple? C'est ça le peuple. Mais nous, on va vous dire une chose. Tozo Lobake, au moment où l'état actuel de choses tel que notre pays fonctionne, les Osenga n'a pas parti aux Alors la Bisso en vol, où le Toti Kakate, tu continueras toujours à travailler pour l'intérêt à peuple. Et avec des preuves, nous mettons en place action. Mais avec tel moyen, avec ma moyen boué. Et tous les gens sensibiliser même ma université, même l'école. Tous qui n'y a plus partout pour la population et la réalité. Il y a une histoire en cannabis. Je rappelle que vous avez été candidat à l'élection en 2018 à Tchango. Au Gagnaki. On a gagné l'élection. Mais comment on est limité? Comment on est limité? Donc, Moutoumoussou a bien la place. Moutoumoussou a bien la place, sûrement. Pensez-vous que ces députés, ou Batiaki a la place, avant la TACOB, ont modifié la constitution et je peux savoir en faveur? Mais au moins, les lois, ceux qui sont peuple, sont d'accord, dans ma cambo bisso. Peuple est d'accord, je déjà d'accord. Le cadre de la révision constitutionnelle, parce que nous étions pendant 18 ans sous régime à Kabila, au peuple à Linga qui était. Peuple à Linga qui était. Mais Kabila a 18 ans, pourquoi? Parce que, modifier la constitution, ça n'a pas l'intérêt de la banque, au détriment du peuple congolais. Mais nous, tant que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons revoir aussi le salaire de la député. Pour les noms de la bise, moi j'ai fait campagne. J'ai bâti campagne dans Tchango, et Tchango, et ça district Moko, et ça non négligeable, au niveau y a Kinshasa. C'est stratégique. Et ça stratégique, on peut le dire, mais Tchango, ils ont 70%. Il y a superficie, il y a capital. Et là, la sali campagne, na Tchango, et j'ai été même découvrir, ma quartier, il y a Tchango, et ça, il y a un fleuve où il y a 7000 personnes qui ont été négligées. Ma image est allée, beaucoup moins à moi. J'ai été là-bas, mais mis à part ça, qu'est-ce que moi j'ai mené comme projet? Le Lombo, quand même, s'est engagé dans un projet où tout le maîtrisé. Mais, dans un projet. Comme quoi pour projet? Dans un projet, le Lombo, tu as lancé Kin Félix par le gouverneur actuel, ils ont lancé Kin Bompeto. Mais moi, à ma qualité de président, aussi association dynamique Banachango, tu as une activité où il y a sensibilisé la population. Il y a quoi là-bas? Beaucoup de là-bas immondices, oh, ils ont des déchets inertes et vendus sur place. Ils ont créé des micro-organismes, oh, ils ont même là-bas beaucoup de nanzoto. T'as sensibilisé et t'as bandé ma camboana et biso t'as battu les bosso, oh, t'as levé là qui ma camboyo. Mais aucun bopé tu es, c'est bien. Mais projet ni bazar là haut. Parce qu'ils ont sensibilisé les associations, mobilisé plutôt aussi l'association, tachouana, la tina, zone sakine, et zone abopéto. Mais il y a une chose, dans le domaine environnement, que les gens ont été, est-ce qu'il y a-t-il des plateformes de déchets qui ont été créées? Non. Est-ce qu'il y a-t-il des usines de traitement de déchets à Kin? Non. Mais il y a des milliards de tonnes de déchets autour de ça. Lorsque tu as même tout développé, tout ça, le développement touristique, c'est impossible. Parce que le mot a saleté. Tant que le mot a saleté, tu as développé le tourisme. Oui, je rappelle que j'ai été
franchement, là, ça fait deux mois, quelques jours à Kinshasa, deux mois et demi, j'ai eu un problème à respiration. Parce que pollution dans ma casse, saleté, microbe, et kébélé. Mais c'est ce qui. Le président Félix a été dans la diaspora et la France Awa a passé un meeting. Alors, comment vous analysez le meeting du président Félix et aussi la pression il y a des Zaïrois ou des gens qui sont dans la diaspora, qui sont contrôlés. En bref. Tout d'abord, pour moi, là, le baquet, au moins, Félix Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Aza président de la transition, comme les gens le disent. Félix Tshisekedi, il est partout dans le monde. Mais là, quand on parle de président historique, il y a le président du Congo, Félix est dedans. Félix est venu en tant que président de la République à Congo. Donc, nous, étant de la diaspora, nous étions aussi, pas dans cette obligation, mais tout ça là qui, tout haut et seigneur, tout haut, que nous, on puis tout préparé qui, on dit tout tout, mais malheureusement, et ça n'a même pas monté. Mais qu'est-ce que je déplore? Au début de ce combat, au tout banan, au pécala, tout tamoula, dans un métro, tu as le fin à battre terre. Nous avons fini à Kabila terre, nous avons fini à Moutoute, mais tant que nous avons manifesté, et ça lit d'abord qu'on a besoin d'un Anzela, au Babungaki. Mais Kobeta Batu, mais on va où? Quand on parle de l'homme bantou, éducation, nous bisons pénat aux oies. Non, on a besoin d'un Anzela sportif. On peut dire que Zaïrois ou Congolais, mais on a besoin d'un Zaïrois. D'accord, drapeau, non. Droit y a manifester parce que au moins article la constitution, article 60 lobini. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre son pays. Tu redéfends le pays, Nabiso. Ce n'est pas bien de te redéfendre, mais la manière ni. Tout le monde a une image. Moi, j'ai été na Kendagi na Marambouya, Félix Tanguayé, na Kiwa na Yoki ba Monaye, ba discours naye, et puis j'ai fait mon propre analyse. Tout ça dit moi. Mais sous une mutua linga keneko yoka. Je rappelle que même les combattants, Batika jamais pour ma banga et miné les lingua sur Batou, pour ta voiture à Batou, ce qui s'est passé ces jours-là, il est vraiment étonnant. Merci beaucoup, Nengo répondre à la question à Bissot. Merci Nengo vraiment à cette invitation. Prochainement, tu reviens le sous pour évoluer plus encore dans, ce qui va se passer dans Mbokan Abisso. Merci encore d'avoir organisé cette émission, dans la famille Abino. Surtout vous partagez, vous abonnez largement. Et n'oubliez pas que ceux qui vous ont contacté, Monsieur Maïndou, vous nous écrivez un message, ou si nous permettez, aussi à nos numéros Naé. Et tout coûte à nous prochainement. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'infos.